Hello guys, hello les baby girls, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est encore une fois un weekly vlog. J'ai commencé à filmer hier, lundi, sans parler, tout ça, parce que j'avais pas grand chose à filmer. Faites pas attention à ma tête, hein. Faut vraiment que je change de tête. J'ai commandé mes mèches sur Amazon pour changer mes cheveux là. Je voulais faire ça la semaine dernière, mais j'ai eu un contre-temps. Parce que du coup, le week-end, j'avais gardé mon neveu, bébé Nono. Du coup, voilà. Et donc, ma tête ne ressemble plus à grand-chose. Bah, du coup, dans 2 jours, c'est les vacances. Bah, quand vous regardez ce vlog dimanche, bah, je suis en vacances. Je m'assois. Je suis partie bosser dans ma première école. Vraiment trop contente. Je me suis occupée de mon élève, etc. Je suis rentrée à 11h30 chez moi. Je suis allée mettre de l'essence, comme vous avez vu. Ensuite, je suis rentrée après l'essence et j'ai mangé mon petit repas. D'ailleurs, j'ai même pas fini le dessert. Et du coup, je l'ai laissé comme ça sur la table et je suis partie bosser parce que du coup, je bossais dans l'autre école. Du coup, sauf que je suis arrivée dans la deuxième école et en fait, il n'y a personne. Like. Il n'y avait personne. Je rentre et tout, machin, parce que voilà, moi j'ai le code et tout. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes dans la cour, quelques élèves dans la cour. En fait, il n'y avait pas de maîtresse, il n'y avait pas de maître, il n'y avait personne en fait. Et là, je rentre et tout, je vois en fait deux de mes collègues que je connais, avec qui je parle bien, et un autre collègue que bah, j'avais jamais vu d'ailleurs. Je fais, c'est quoi le truc là? Pourquoi c'est vide? Il me dit, oh, bon, on t'a pas prévenu, il n'y a personne. Ceux qui sont là, c'est juste ceux que les parents ne peuvent pas garder, donc il n'y avait pas beaucoup, peut-être 1 dizaine d'élèves que les parents ne peuvent vraiment pas garder. Et j'étais là. Il s'agirait de me prévenir, en fait. Donc, comme personne ne m'a prévenu, donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, du coup, bah, moi, je suis rentrée chez moi parce que je ne vais pas rester dans l'école, en fait. Je suis rentrée chez moi. Non, je ne suis pas rentrée chez moi. Je me suis dit, hé, Marie, donc tu as ton après-midi. Et si tu partais aux actions? Du coup, je suis allée aux actions. Vous avez vu tout ça. Parce que j'étais partie pour une chose, en fait, pour chercher ma. Pour chercher en fait un dégivreur. Comme ce matin en fait. Vous voyez le produit que j'étais en train de mettre sur ma voiture. C'est trop bien, ça dégivre en fait ta voiture. Et t'as pas besoin de gratter ta voiture pendant 10 000 ans en fait. Et c'est trop bien quand j'ai découvert ce produit. Sauf que je l'ai pas trouvé aux Actions dans lequel je suis partie qui est à côté de chez moi. Je me suis dit, vas-y aux Actions qui est à l'autre bout de la ville. C'est pas grave. J'ai pris ma voiture, départ. Et là j'arrive, je vois quoi là-bas. La police qui interdit les gens de passer. Et après, du coup, j'ai appelé ma soeur, elle m'a dit, bah, c'est la grève, c'est pour ça. Du coup, j'étais, ah, mais oui, c'est vrai. J'ai perdu tout ce temps, alors que je suis partie de l'école là-bas à 13h45, quelque chose comme ça. Bon, aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, mais très contente quand même. Donc voilà, en gros, le topo de hier. Hier, j'étais trop contente, mais parce que je commençais une nouvelle semaine. Du coup, je suis rentrée à 16h30, j'ai fait mon sport et tout, j'étais trop contente, je suis allée à la salle et tout, c'était trop bien. Bah du coup, ce soir, je ne pense pas que je vais aller à la salle parce que ce soir, je vais manger avec deux de mes anciennes collègues. C'est des profs que j'ai rencontrés dans ma première école. Et donc, en fait, on se voit ce soir pour se détendre un peu comme c'est bientôt les vacances aussi et que demain, mercredi, on ne travaille pas. On s'est dit pourquoi pas et du coup, ça va nous faire du bien, voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, je vais bien manger là-bas. Voilà, je vais boire des cocktails sans alcool, bien sûr. Bref, je vais vous laisser là. Je vous reprends quand je vais partir avec mes collègues pour manger parce que là, déjà, j'ai trop parlé. Bon, les gars, je suis passée dans la salle de bain. Je vous ai laissé. Il était à peine 14h et quelques. Il était 15h. Là, actuellement, il est 18h45, quelque chose comme ça. Et là, je suis passée dans la salle de bain parce que du coup, j'ai rendez-vous avec mes deux collègues copines à 19h30. Donc voilà. Et donc, je me suis dit, ma tête là, elle est gâtée. Franchement, je fais mes cheveux ce week-end. J'ai commandé mes mèches sur Amazon. J'ai commandé mes mèches hier soir. Donc, ce week-end-ci, vendredi, je me détache la tête. Je détache mes cheveux après le sport. Et ensuite, samedi, je commence à les faire. Je les fais comme ça, je suis tranquille déjà pendant les 2 vacances, les 2 semaines de vacances, et ensuite pour bien reprendre aussi le travail. Je ne sais pas si je refais la même chose, j'avais envie de tester quelque chose d'un peu plus court. Mais je ne sais pas du tout si les coupes courtes en fait me vont bien. Là, ça va plus du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà
attachée. Parce que en soi, c'est le devant là, en fait, c'est ça qui se voit le plus. Donc, si au moins je pouvais mettre un bandeau comme ça, et ensuite, pas besoin de faire les bébières. Et après, je mets les boucles d'oreilles et du coup, je vais plus qu'à me maquiller la bouche en fait. Parce que moi, je me maquille pas la peau. Et ma peau en ce moment, ça va un peu mieux. Je ne trouve pas le bandeau noir parce qu'en fait, c'est des bandeaux comme ça, un peu de toutes les couleurs. Et en plus de ça, vous voyez, parce qu'en fait, j'aurais bien aimé que ça soit jusqu'ici en fait. Mais là, c'est pas très joli. C'est pas joli. C'est pas comme je voudrais en fait. Non, là on dirait juste que je vais aller me démaquiller ou me laver le visage ou je sais pas quoi. Ok, là c'est mieux. Je vais me démaquiller les yeux, enfin le mascara. Je vais me laver le visage. Ensuite, je vais remettre le mascara et le rouge à lèvres, enfin le gloss. Et je pense qu'en fait, ça sera mieux parce que mon visage sera un peu plus réveillé. Parce que là, j'ai l'air vraiment fatiguée. Ok, le visage est lavé. Je me sens beaucoup plus fraîche maintenant. Parce que tout à l'heure, c'était pas vraiment. Ah oui, je mets toujours du Dexéril là. Moi, toujours à la pharmacie. Ça me fait un peu bizarre de pas être allée à la salle. Parce que moi, maintenant, ne pas aller à la salle, c'est. Non, j'adore ça. Ok, déjà, je vais changer aussi les boucles d'oreilles. Vous faites un peu ma petite routine avant de sortir, en fait, là. J'ai pris un bonbon, hein. C'est pour ça que je parle bizarre là. J'ai pris un bonbon. Non, mais pourquoi j'enlève tout là? Je voulais juste enlever une. Je mets toujours les boucles d'oreilles de chez Ana Luisa. Mais comme je n'ai pas encore reçu des comme ça, bah, du coup, celles-là, je les avais achetées au H&M. Je vais juste mettre du mascara. Ok. On va passer aux lèvres. Je vous ai un peu bougé. On va faire avec ce crayon. Le 531, le plus utilisé, le plus acheté de chez Kiko. À chaque fois que je pars pour le reprendre, il n'y a pas. À chaque fois, les filles me disent, ah, mais il faut passer de temps en temps. Non, mais sauf qu'il n'y a jamais quand je passe. Du coup, j'en ai deux petits comme ça. En fait, j'en mets pas beaucoup. Je vais juste mettre un peu et mettre du gloss. Histoire de donner, en fait, juste une belle couleur à mes lèvres. Clairement, demain, je n'ai rien à faire du tout de la journée de mercredi. Je me demande si je ne crée pas mal de contenu en fait. Non. En fait, le problème, c'est que je n'ai rien à faire demain, mais ça me saoule de créer du contenu avec mes cheveux là en fait. J'aime bien quand mes cheveux sont toutes neuves, ça fait plus joli, ton visage, il a l'air plus réveillé, plus. Je sais pas. Ton visage, il change quand tes crèches sont. Tout nouveau en fait, j'ai remarqué. Moi, je vais me dépêcher de m'habiller parce que là, je parle, je parle, je parle, mais je perds du temps. Au niveau de la tenue, c'est fait. Franchement, je déteste me prendre la tête en ce moment pour les tenues parce qu'en fait, je déteste l'hiver. Parce qu'en fait, on s'habille en mode gros en fait, et c'est énervant. Je viens de penser à un truc. J'ai eu des bons retours sur mon weekly vlog qui est sorti la semaine dernière. Si tu l'as pas encore vu, va voir. C'est rare que je me fasse lyncher et tout ça. Mais vous savez, les commentaires, je suis désolée si la personne à qui je parle elle passe par là. Hein. Je suis vraiment désolée, mais. J'arrive à reconnaître les commentaires qui sont malveillants en fait, qui sont là pour te blesser et qui paraissent bienveillants. J'arrive tout de suite à les reconnaître et tout le monde reconnaît ce genre de commentaires maintenant en fait. C'est les personnes qui disent ah j'adore tes vlogs et tout machin
Mais je suppose, en gros, c'était pas vraiment exactement la phrase, mais en mode, bah, c'est que tu t'habilles pas assez bien, donc c'est normal que les gens ne vont pas suivre ton style vestimentaire, ou encore, tes vêtements font trop cheap, il faudrait peut-être penser à acheter chez Mango et chez Zara. Like. J'ai lu le commentaire et c'était en mode, mais j'adore tes vidéos, moi je regarde toutes tes vidéos. Je suis désolée, hein, franchement, si la personne est passe par là, mais moi j'arrive à reconnaître que ce genre de commentaires malveillants qui paraissent bienveillants en fait. Et moi je sais très bien comment répondre à ce genre de commentaires. Je te remercie pour avoir regardé ma vidéo, mais je sais que tu ne me portes pas dans ton cœur en fait. Je sais que tu ne m'apprécies pas à travers ce que tu vois sur moi, sur YouTube en fait. Je sais que tu ne m'apprécies pas et je sais que quand tu me regardes, tu critiques bien derrière, mais je sais que ce genre de personnes ont tendance à critiquer et se disent, tiens, je vais laisser un commentaire, ça va la blesser. Et comme ça, mais je vais laisser quand même un petit mot gentil. Elle va croire que je suis son abonné, mais je suis pas... Et moi, les gens comme ça, hein, moi, je mets juste merci, machin. Non, 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 je suis joyeuse, moi, parce que tu peux pas m'enlever ma joie, en fait. À un moment donné, moi, depuis que j'ai mis Dieu à 100% dans ma vie, ma joie, tu peux pas l'enlever, ma paix du cœur, tu peux pas l'enlever, en fait. Moi, maintenant, je me réveille, je gagne pas bien ma vie. Hein. Je gagne très peu ma vie. Je connais des gens qui gagnent mieux leur vie et qui sont vraiment, voilà. Et honnêtement, je gagne moins, mais honnêtement, tu peux pas m'enlever ma paix du cœur, en fait. Tu peux pas m'enlever ma joie du cœur avec les commentaires un peu genre gentils, mais pas gentils. Tu peux pas m'enlever ma paix du cœur. Et moi, ce genre de personne, je te réponds merci, en mode ouais, ok, génial, que Dieu te bénisse. Et la personne, elle va se retrouver devant son commentaire comme une... Vous avez compris le mot? Je pense qu'on ne peut plus dire des gros mots sur YouTube. Mais la personne, elle va regarder, elle va dire, ça n'a pas marché. Aïe. Je ne l'ai pas blessé. Je ne l'ai pas blessé. Comment je vais faire pour blesser la fille ici? Elle a trop de joie. Je vois la lumière de Dieu en elle. Mm-hmm. La lumière de Dieu est sur elle. Il faut que je la blesse. Ça là, c'est le diable qui envoie. C'est le diable qui vous envoie. Mais il faut savoir que Dieu est devant. Sa puissance domine sur tout. Il a mis cette puissance aussi en moi. Il est devant. Il combat pour moi à mes côtés. Donc, ce que le diable envoie là, c'est que votre cœur qui saigne et qui souffre. Donc, les commentaires comme ça, moi, je les laisse. Hein. Je les supprime même pas. Je te réponds bien et je mets le nom de Dieu dans ton commentaire. Maintenant, c'est comme ça. Ok? Donc, je préviens juste, hein, honnêtement, petit aparté, juste comme ça, parce que je sens que la personne, quand elle reçoit mon commentaire, elle dit, merde, alors, ça n'a pas marché. Mince, je vais blesser la fille ici. Parce que quand tu vois la joie de quelqu'un, le bonheur de quelqu'un, la paix de quelqu'un, la personne n'a pas besoin de le dire. Moi, je le dis parfois, mais il faut savoir que je le dis une ou deux fois dans mes vidéos. Mais il faut savoir qu'en fait, c'est ce que je vis tous les jours. J'ai la paix dans le cœur. J'ai la paix dans la vie. J'ai tout dans la vie qui me donne. Dieu m'a tellement rempli de son amour que maintenant, tu ne peux pas me blesser avec des trucs comme ça. Donc, c'est mieux tu passes ta route. Mm-hmm. C'est mieux tu passes ta route. C'est ça qui est là. Enfin, bref. Je suis habillée, je pense qu'il est déjà l'heure, je vais aller chercher mon téléphone. Il est 19h26, j'avais rendez-vous à 19h30, c'est mort, je vais y aller. Oh. Thank you.
qui est de retour à la maison. Il est quelle heure? Attendez. Il est actuellement 23h20 et je rentre enfin. Clairement, on voulait rester plus longtemps, mais on était éclatés. C'est trop bien, on parle de tout et de rien, honnêtement, c'est topissime. Je m'ennuie jamais avec ces filles-là. J'adore. Bah, c'est toujours un bonheur, en fait, vous voyez. Donc voilà, maintenant, tout ce que je vais faire, c'est que je vais me démaquiller les yeux, parce que je ne vais pas dormir comme ça. Nouvelle journée les gars, aujourd'hui nous sommes mercredi, jour de repos et nous sommes le 8 février, mais je n'ai pas grand chose à faire aujourd'hui. Clairement, c'est la première fois qu'un mercredi je n'ai pas grand chose à faire. J'ai juste une chose que j'ai décidé de faire. Je pense que je vais juste faire ça et rentrer chez moi rapidement en fait, parce que le froid qu'il fait dehors là et je commence à être un peu malade. Il est hors de question que je sois malade pendant mes vacances parce que j'ai envie de créer du contenu pendant les vacances. En fait, je me suis fait du thé. Voilà, je ne vais pas prendre de petit déj ce matin parce que là il est déjà 9h27. Je ne vais pas prendre de petit déj. Je vais digérer tout ce que j'ai bu hier soir et tout ce que j'ai mangé hier soir avec mes deux copines. Le temps de digérer ça, donc je préfère boire du thé comme ça. Je vide un peu tout. Enfin, tout avant de remanger quoi. En plus de ça, j'ai pas faim. Autre chose aussi, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire ce matin. Là, je vais juste faire mes ongles avant de sortir, même si je sors 5 minutes. Je vais faire ça en buvant mon thé tranquillement et je pense que je vais vous reprendre un peu plus tard. Je vais juste vous montrer le vernis que je vais. Et en fait, j'ai hésité entre ça et les deux rouges là, en fait. Celui-ci, il est beaucoup plus clair. Et en fait, celui-ci, c'est celui que je porte là. Il est un peu plus foncé. Voilà. J'ai celui-ci et c'est celui que je portais qui est un peu plus foncé. Sinon, j'ai le rouge classique comme ça de chez Nocibé. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, ça ne va pas faire totalement le focus. Donc, je ne sais pas trop quoi porter. Je pense que comme j'ai déjà porté celui-ci, je pense que je vais plutôt mettre un rouge plus clair comme ça en fait. Et comme j'ai l'habitude de porter cette couleur, je vais un peu changer quand même. Ok guys, je vous montre ma petite tenue, toute simple, toute cute. J'ai mis ce pantalon très large, voilà. Et j'ai mis ce petit pull avec comme ceci. J'aime beaucoup, c'est simple. Et je vais mettre mon manteau Zara. Voilà, je vais y aller vite fait, ça va me prendre 5 minutes. Je vais revenir chez moi et voilà, je vais me reposer parce que je suis très fatiguée en fait. Changement de plan les gars. Finalement, je suis venue au Action qui est à l'autre bout de la ville parce que j'avais complètement oublié qu'il me fallait le produit que j'avais dit en fait pour dévigivrer ma voiture quand le matin quand je vais au taf en fait. Donc je vais aller voir si ce produit est au Action ici parce que le Action ici il est beaucoup plus grand, il est mieux. Donc allez voir ça, franchement il me faut ce produit parce que ça me sauve la vie le matin quand je vois tout le monde qui gratte et que moi je fais pitch pitch pitch. Et qu'après je pars, c'est trop satisfaisant. Donc, go regarder.
Guys, c'est bon, je suis rentrée chez moi. Et je viens juste de réaliser qu'en fait, je voulais aller vous montrer ce que j'ai pris aux actions en étant chez moi. Mais en fait, c'est les choses pour la voiture. C'est censé rester dans la voiture. Ça ne sert à rien que je monte avec en haut de chez moi pour redescendre avec un autre jour en fait. Donc en gros, j'en ai pris 3 en tout. Je suis vraiment fatiguée, mais vraiment. J'ai pris ça. En fait, c'est trop bien parce que du coup, quand c'est le matin, t'arrives et que ta voiture, elle est givrée, et franchement, tu fais pif, 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 et ça part. Mais ça part direct. Plus besoin de gratter. Du coup, j'en ai pris 2 pour ma voiture et donc j'en ai pris 1 pour ma soeur parce qu'à chaque fois, elle se plaint que bah, du coup, il faut qu'elle dégivre et tout avec sa carte bleue. Donc, j'ai pris 1 comme ça pour elle. Je vais lui donner un autre jour quand on va se voir. Je ne suis pas sûre. Et j'ai pris ça. Je n'avais jamais pris. C'est pour la buée, apparemment. Quand tu as de la buée devant ta vitre et que du coup, tu es obligé de patienter avant que le temps que ta voiture elle enlève la buée. Bref. Et en fait, ça m'arrive tout le temps. Et c'est énervant. Donc, je vais tester ça. Si c'est bien, franchement, je vais en racheter. J'en ai pris 1 pour l'instant, histoire de tester. Et j'ai pris ça avec... C'est pour nettoyer sa voiture. Je pense que je vais nettoyer ma voiture ces vacances aussi. Comme j'ai 2 semaines de vacances, c'est parfait parce que je vais aussi aspirer ma voiture. Je vais ranger, je vais jeter tous les papiers qui sont là. Je vais tout ranger. Ma voiture, elle n'est pas en bordel. Il n'y a rien dans les sièges arrière. Il n'y a rien dans les sièges avant. Il n'y a rien par terre. Le coffre, j'ai rangé la dernière fois parce que j'avais les sacs de course qui étaient partout. J'ai tout rangé. Mais c'est la voiture en elle-même, en fait, elle n'est pas très propre. Du coup, je vais la laver, je pense. Je viens juste de réaliser que j'avais 10 euros dans mon sac et que j'ai quand même payé avec ma carte bancaire. C'est vraiment une habitude, hein, la carte bancaire. C'est une sale habitude. Et là, je vais monter parce que du coup, je suis obligée de tout laisser ici dans ma voiture, en fait. Je ne peux pas monter avec chez moi. Et le tout, ça m'a coûté 8 euros. Donc voilà. Et je suis vraiment horrible. Et cette veste, elle se tient tellement chaud que tu n'as même pas besoin d'écharpe. J'ai pas pris l'écharpe parce que c'est pas la peine. Ça tient vachement chaud. C'est trop bien, franchement. Et l'abonné qui passe par là, c'est du Zara. Bref, je vais monter chez moi, me faire à manger parce que du coup, il est midi 52. Et me poser tranquillement et regarder la télé et chiller. Bref, tout à l'heure. Hello! Les gars, je vous reprends beaucoup plus tard dans ma cuisine. Il est actuellement 17h. Je suis restée affalée sur mon canapé. Mais, j'ai quand même monté ce vlog là que vous êtes en train de regarder. Enfin, j'ai commencé à m'avancer un peu. Donc voilà. Et j'étais en train de faire à manger. Je voulais quand même vous montrer ce que je fais. C'est un gros repas que je vais manger sûrement 3 jours. Parfois, ça m'arrive de faire des repas comme ça. Et donc, en fait, j'ai envie d'accompagner ça des pâtes. Donc, je vous montre quand même. Ah, j'ai utilisé pour... vous savez. Et donc, voici mon repas. Je vous montre. Et du coup, j'ai mis ça comme condiment. Et donc, ça ressemble à ça. Donc, c'est juste du poulet, brocoli, poivron rouge, oignon et champignons. Voilà. Et donc, je mélange le tout là. C'est ce que j'étais en train de faire et je me suis dit pourquoi pas vous montrer mon repas d'aujourd'hui. Et je pense que je vais manger ça de temps en temps avec du riz ou des pâtes, enfin je sais pas encore. Selon mon envie. Donc voilà, et j'ai mis de l'huile d'olive. Et je suis sûre que ça va être super bon. J'avais déjà préchauffé le four. Et voilà. Je vais mettre ça jusqu'à 45 pour l'instant. 45, non, plutôt 50. Voilà. Bon, je suis chez moi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 10 février. Et là, je suis de retour chez moi. Je rentre de la salle de sport. Comme vous avez vu,
Nous sommes vendredi. J'ai sauté du mercredi au vendredi parce que je n'ai pas filmé la journée de jeudi, parce que je n'avais pas grand-chose à filmer. Et voilà, c'est tout simplement pour ça. C'était vraiment la journée la plus plate, genre boulot, manger, dodo, et j'étais trop fatiguée aussi. Chaos technique, on était tous fatigués. Bref, si je vous prends aujourd'hui, c'est tout simplement parce que comme je n'ai pas filmé la journée de jeudi, je n'ai pas non plus filmé la journée de vendredi. Voilà. Donc, ça allait devenir la même routine, vous montrer ce que je mange, etc., etc. Donc, j'essayais de ne pas filmer et vous dire au revoir aujourd'hui, vendredi, le 10 février, et je suis en vacances actuellement. Donc, petit programme de ce soir, c'est que je vais clôturer ce vlog ici. Voilà, parce que je vais tout simplement aller me couper ça là, détacher devant la télé. Je vais chiller devant la télé en détachant ça. Ensuite, je vais cresser demain matin. Bref, c'est tout en fait. Et aujourd'hui, je suis rentrée un peu tard parce que là, actuellement, il est 18h49. Je suis trop contente. 2 semaines de vacances, les gars. C'est mérité. C'est mérité. Bon. Moi, je vais juste prendre une bonne douche. Voilà. Et faire tout ce que je vous ai dit. C'est tout en fait. J'ai reçu mes mèches d'ailleurs. Donc voilà, guys. Je vais vous laisser là. J'espère vraiment que ce vlog, weekly vlog plutôt, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, ça me ferait trop plaisir. Allez aussi me suivre sur Instagram et sur Snapchat que je laisse quelque part par ici. Je vous fais des gros bisous, les gars. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusqu'ici, prenez soin de vous. Payez un mot sur vous, les gars. Ciao!